بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن همزات الشياطين وان يهدرون نعوذ بالله الذي يمسك السماء ان تقع على الارض الا باذنه من شر ما خلق وزرع ومن شر الشيطان وشركه اعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا نشهد لا اله الا الله ولي الصالحين ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على المبعوث رحمه للعالمين محمد بن عبد الله وعلى اله وصحبه وسلم اللهم الحمنا رشدنا مرشد امورنا ونعوذ بك من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا ربنا اتم لنا نورا واغفر لنا انك على كل شيء قدير شفرز السر الله سبحانه وتعالى نديد على سكرا بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فان الذكر تنفع المؤمنين rappelez car le rappel est utile aux croyants sincères. Aujourd'hui nous allons parler le début du mois de Ramadan, du quatrième pilier de l'islam. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Ya ayyuhallazina ammanu, kutiba alaykum siyamu kama kutiba alaylazina min kablikum, la'alakum tatakoun. Oh, vous qui êtes croyants sincères, le jeûne du mois de Ramadan vous est rendu obligatoire. Il vous est prescrit comme il l'a été aux peuples qui vous ont précédé, afin que vous atteigniez la piété, afin que vous soyez pieux. Qu'Allah nous accorde la piété, Inch'Allah. Le mois de Ramadan est le meilleur mois de l'année pour se purifier, car Allah subhanahu wa ta'ala l'a distingué en faisant de ce jeûne et de ce mois, de ces jours, des moments de méditation, des moments de repli sur soi-même, des moments d'introspection et des moments d'avouer sa faiblesse et de connaître ses faiblesses pour revenir avec Allah, pour revenir vers Allah avec un retour sincère et un retour avec un repentir très 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 sincère. C'est pour cette raison, chers frères et sœurs, que l'avant-dernier vendredi, nous avons insisté sur l'importance du repentir. Et le vendredi passé a été consacré à réfléchir comment accueillir ce beau mois et ce grand mois de l'année. Et qu'est-ce que le musulman doit faire pour accueillir ce mois béni? Nous avons insisté encore sur les différents éléments du repentir et surtout le pardon que l'on doit accorder les uns aux autres. Cela pourrait nous permettre d'accueillir en tout cas l'étranger qui mérite respect et qui mérite en tout cas différence de la part de tous les fidèles et de toutes les musulmanes. En effet, nous avons dit, si toutefois vous avez à recevoir une personnalité de ce bas monde, qu'est-ce que vous faites chez vous? Vous faites les toilettes et vous apprêtez tout pour qu'on ne voit pas de défauts et que l'étranger vous trouve dans les conditions les meilleures pour l'accueillir avec joie. Et cela doit être le cas du mois béni de Ramadan, nous l'avons dit. Il est également important pour vous qui venez de vous marier, la joie qui vous a habité les jeudis passés, les jours passés où vous êtes mariés, vous vous mettez dans l'esprit comment j'ai accueilli, en tout cas, la nouvelle mariée et le nouveau marié, comment il se prépare. C'est dans cet esprit également d'amour
et le respect que l'on accueille le mois béni du Ramadan, un mois spécial, un mois en tout cas qui est le meilleur mois de l'année. L'objectif du mois de Ramadan a été également situé par l'inscription d'Allah. En effet, il nous dit « Kutiba alaykum siyam kama kutiba lil-ladhina min qablikum la'allakum tattaqun ». Le mois de Ramadan vous est prescrit comme il l'a été aux peuples et aux nations qui vous ont précédé, afin que vous atteigniez la piété. Donc, l'objectif ultime est que par le mois de Ramadan, nous soyons pieux, que nous atteignions la piété, que nous atteignions un degré de foi, de crainte révérentielle du Seigneur des mondes. Et la piété, vous le savez, c'est encore un rappel. La piété se manifeste par abandonner ce qui ne plaît pas à Allah et faire tous les efforts possibles pour plaire à Allah par des actes de dévotion, d'adoration, de prière, de lecture du Coran. En tout cas, toutes les activités qui peuvent nous permettre d'avoir la joie dans le cœur d'adorer Allah et ne rien lui associer, c'est cela la piété. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a ouvert beaucoup de perspectives à partir de seulement la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand on dit Bismillahir Rahmanir Rahim, wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Celui qui craint Allah d'une crainte sincère, Allah lui donne une porte de sortie à toutes les difficultés auxquelles il est confronté. Qu'il en soit ainsi pour nous, pour tous les musulmans et toutes les musulmanes qui vont observer ce mois béni de Ramadan, qui nous donne en tout cas longue vie et inchallah le temps et les moyens d'atteindre ce mois béni de Ramadan qui dans quelques jours sera accueilli en tout cas par tous les musulmans du monde. Chers frères et sœurs, le mois de Ramadan est un mois de purification de l'âme, de toutes les maladies de l'âme, de toutes les souillures. En effet, par le mois de Ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit par rapport à cette purification, « Kad aflah man zakaha, wa kad khaba man dasaha » est sauvé, certes, celui qui purifie son âme, est perdu et perdant, certes, celui ou celle qui corrompt son âme. Et donc, nous devons profiter de ce mois pour nous soigner de toutes les maladies de l'âme, qui sont la haine, le mépris, et d'autres encore, l'orgueil, et ainsi de suite, chers frères et sœurs. C'est un mois qui permet donc de purifier le cœur de toutes les maladies. Vous avez vu tout à l'heure, le médecin qui a failli devenir médecin des corps par la grâce de Dieu, il est devenu médecin des cœurs. C'est le cas de l'imam qui vous a entretenu tout à l'heure. Il est venu, il devait faire des études de médecine, mais Dieu lui a donné la science des savoirs islamiques pour plutôt soigner les cœurs. Et vous pouvez vous imaginer combien de cœurs sont malades à notre temps et à cette époque. Le mois de Ramadan permet également de se rappeler constamment et de rappeler, de nous rappeler les démunis, de ceux qui sont dans le besoin. Le fait de s'abstenir, de manger et de boire de l'aube au coucher du soleil, le jeûneur sent la faim et doit ensuite se rappeler de la situation précaire de ceux qui sont démunis, qui sont les nécessiteux, qui vivent dans la misère, non seulement pendant le mois de Ramadan, mais aussi toute l'année. Cela va et doit amener tout croyant musulman à se mettre en application du verset suivant. Kulu minha wa ta'mul ba'is al-faqir. Mangez de vos repas et faites-en manger les besogneux, les personnes qui sont démunies,
il faut donc penser à leur situation et leur apporter à manger. Cela, Allah subhanahu wa ta'ala est miséricordieux par essence et par excellence. Et lorsqu'il nous parle des besogneux, des personnes qui sont en difficulté, c'est nous rappeler pour vous et pour nous qui avons un minimum de confort d'apporter cette miséricorde à ceux qui sont dans les besoins. Et lorsque le prophète nous dit sallallahu alayhi wa sallam, Rahimun yarhamhum rahman, irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama. Le miséricordieux fait miséricorde à ceux qui sont miséricordieux. Faites miséricorde à ceux qui sont sur la terre, alors Dieu qui est dans les cieux vous fera miséricorde. Qu'Allah nous fasse miséricorde, que nous accorde sa grâce et sa miséricorde, inshallah. Le prophète dira encore sallallahu alayhi wa sallam, La yarhamullah man la yarham nas. Dieu Allah ne fait pas miséricorde à celui qui n'est pas miséricordieux envers ses semblables, envers les hommes. Et donc, cela est important que vous, nous qui sommes les jeunes, si nous avons un peu, donnons-en à ceux qui sont dans le besoin et qui sont appelés également à rompre, à jeûner et qui doivent forcément rompre le jeûne et prendre le souhour. C'est pour cette raison, chers frères et sœurs, que depuis 2003 et même avant, nous organisons la rupture du jeûne sur l'esplanade de la mosquée de la transparence. Et ici également, nous continuons chaque mois de Ramadan de l'année, nous faisons la rupture du jeûne ensemble. Et nous sommes pas moins de 300 à 400 personnes à rompre le jeûne ensemble. Et cela, c'est juste vous rappeler que cela a un coût. Nos calculs de budget relèvent que cette année, ça doit être un peu plus de 13 millions qui seront également consacrés aux dépenses de la rupture du jeûne de ceux qui restent. Rompre le jeûne avec nous et prier avec nous avant de rentrer chez eux à la maison. Ce qui est aussi une autre manifestation de solidarité, une autre manifestation de miséricorde les uns pour les autres, les uns pour les autres, Inch'Allah. Qu'Allah nous aide, nous guide dans le droit chemin, que nous permette, Inch'Allah, d'avoir ce dont nous avons besoin pour offrir nos nécessités. Et même ceux qui ne le sont pas, la facilité de rompre le jeûne avant de partir chez eux à la maison. Le jeûne du mois de Ramadan, chers frères et sœurs, permet de rester en bonne santé. Le jeûne du mois de Ramadan permet de rester en bonne santé et d'être en bonne santé, d'acquérir la bonne santé. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith, Soumou Tassihou, ou Kamakala alayhi salatu wassalam, jeûnez, vous allez avoir la santé. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne disait rien comme ça, par improvisation, qu'il ne fut inspiré par le Seigneur du monde, Allah subhanahu wa ta'ala. Le jeûne est un moyen thérapeutique très efficace pour être en bonne santé. Les bienfaits du jeûne sur le plan médical ont été reconnus aujourd'hui, scientifiquement. Depuis un certain temps, les recherches entreprises pour démontrer des résultats positifs dans le traitement de nombreux troubles, notamment l'intolérance alimentaire, l'hypertension artérielle, l'insuffisance cardiaque congestive, la pancréatite aiguë, l'arthrite rhumatoïde, la goutte de rhumatisme et certaines maladies psychosomatiques.
trouvent leur remède dans le jeûne. Et là, c'est encore démontré le miracle de l'islam, qu'au 7e siècle, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a trouvé un message et des enseignements que la science moderne aujourd'hui démontre comme étant, en tout cas, des éléments extrêmement importants pour la vie et surtout dans ce cas précis, pour la santé. Donc, cela est dit, nous l'avons souhaité, demander aux uns et aux autres, avant de commencer le jeûne, faites votre bilan médical. Moi, j'ai fait mon bilan médical pour voir que, alhamdoulilah, les maladies que j'avais l'année dernière, comme le diabète, est équilibré. Et cela est, Dieu merci, grâce à vos prières et vos bénédictions. Faites aussi. Ne soyez pas des malades qui s'ignorent et qui marchent, pour peu qu'ils commencent le mois de Ramadan, qu'ils sont malades. Alors, lorsqu'on fait le bilan, cela est mieux pour être sûr qu'on peut éviter par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala certaines situations difficiles dues à des maladies qui peuvent être prévenues. Le mois de Ramadan est un mois d'éducation de l'âme et de l'esprit et du corps. C'est pour cette raison que ici nous parlerons particulièrement des vertus de la patience et les vertus de la sincérité. En effet, le prophète nous dit sallallahu alayhi wa sallam, innama al-a'mal bi-niyyat wa innama likulli imrin ma nawa. Il nous dit, par un hadith rapporté par Sayyidina Omar radiallahu anhu, nos actions n'ont de valeur que par les intentions qui les ont motivées. On peut dire très bien qu'on jeûne au plateau et s'enfermer dans sa maison pour manger ou aller dans un autre quartier. Ce fut le cas il y a 30 ans. Beaucoup de nos jeunes fonctionnaires partaient à Trècheville manger et venir les visages serrés à la maison le soir qu'ils jeûnaient. Alhamdulillah Rabbil Alamin, voici la mosquée pleine de jeunes à 80% ici et comme ailleurs dans d'autres mosquées. Et ce n'est qu'un passé peut-être dont il faut se souvenir qu'aujourd'hui les gens sont conscients et ils sont sincères dans leur foi. Et cette sincérité est renforcée par le mois de Ramadan. Personne n'est là pour vous contrôler, mais vous avez le contrôle du divin d'Allah subhanahu wa ta'ala qui dicte le comportement à observer pour ne pas désobéir au créateur du monde. Donc, cela c'est d'abord la sincérité. La patience vient ensuite comme étant un élément extrêmement important dans la vie de tout homme et de toute femme. Allah subhanahu wa ta'ala 19 fois parle de sabr. 19 fois dans le Coran parle de sabr. Inna Allah ma'a sabirin. Allah est avec ceux qui sont patients, endurants et persévérants. Isbiru inna sabra billah. Patienter et patienter par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit isbiru wa sabiru wa rabitu wa taqullah la'alakum turhamun. Patienter et rivaliser avec patience, l'endurance et la persévérance. Et Dieu aime ceux qui sont patients. Cela est extrêmement un élément qui est observable tous les jours. On ne peut rien observer, on ne peut rien atteindre de positif dans sa vie sans être patient. N'est-ce pas? Toutes les activités que l'on mène, du lever du jour jusqu'au coucher du soleil, si on n'est pas patient, on abandonne. Si on n'est pas patient, on parle beaucoup. Si on n'est pas patient, on en veut à tout le monde. Si on n'est pas patient, on ne peut pas entretenir un foyer jusqu'au bout. Ainsi donc, la définition de la patience se divise en trois catégories. La patience en accomplissant les commandements d'Allah. As-sabr fi ta'atillah. La patience, deuxièmement, en s'écartant de ce qui a été interdit par Allah subhanahu wa ta'ala.
Et troisièmement, la patience face aux épreuves et aux difficultés du destin. Telle est la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. La patience possède beaucoup de vertus, chers frères et sœurs. Parmi celles-là, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous dit: personne n'a reçu de don plus admirable et complet que la patience. La patience et la persévérance ont une place tellement importante en Islam qu'Allah ta'ala l'a cité 19 fois. Cela nous donne un aperçu de ce qu'est la patience et la grande vertu qu'elle représente. Patienter quand on jeûne, patienter et endurer quand on jeûne. Cela s'observe pour ceux qui réussissent la patience en jeûne. Vous avez fait, mais vous oubliez que vous avez fait parce que vous savez que vous êtes en train d'obéir à Allah, vous êtes en train d'adorer. Vous ne criez pas, vous n'insultez pas. Cela vous amène à jeûner de la bouche, de la langue. Vous ne regardez pas n'importe quoi, ni des films à la maison ou bien d'autres choses. Question de dire: je vais tuer le temps, comme on aime le dire en Afrique. Tuer le temps, ça c'est tuer soi-même. Alors, on jeûne des yeux, comme aussi les oreilles jeûnent. Pour passer le temps, au lieu d'écouter le Coran et des enseignements de nos érudits, non, on met plutôt des chansons et d'autres éléments qui n'ont aucune richesse, qui apportent quelque chose au corps, à l'esprit et à l'intelligence. Alors, les oreilles doivent jeûner, les mains jeûnent, le ventre a jeûné, les pieds doivent jeûner. Donc, c'est un moment d'éducation totale pour l'homme. Purifier l'ensemble des organes, le corps, l'âme et l'esprit se trouvent être en train d'être éduqués. C'est une auto-éducation sous le contrôle du Seigneur du monde, Allah. Donc, chers frères et sœurs, c'est donc une situation que nous devons prendre en compte pour aller face à la patience, face aux tentations. Dieu seul sait combien de tentations aujourd'hui il y a dans notre monde. Il y a à Abidjan. Je vous disais le vendredi passé de voir vos enfants. Il y en a deux qui sont morts dans leur chaud, au bord de la mer. Et je l'avais prédit. J'ai dit: il y en a encore qui vont aller mourir, aller en enfer. Ce sont vos enfants, ce sont nos enfants qui vont aller faire leur dernier show le samedi passé. On les a vus revenir comme des fous. Un camion taxi, peut-être ils sont 10 dedans. Femmes, filles et garçons mélangés. Il y en a deux qui sont morts au bord de l'eau. Et nous, par noyade. Ou par l'excès d'avoir appris trop d'alcool ou trop de comprimés autres que nous ne connaissons pas, que nous ne connaissons pas. Ainsi, on a des tentations. En famille, des tentations dans la rue. Et c'est là aussi la qualité de la vie des musulmans, de pouvoir maîtriser ses passions et ses émotions négatives, je dirais même sataniques. Cela, si nous le faisons, pour nous-mêmes, car le mois de Ramadan, je reviens là-dessus, est un mois de mise au vert. Je dirais encore un mois où on rentre au garage pour nous refaire le corps, pour nous purifier et pour nous régénérer. Et si on comprend le mois de Ramadan comme tel, comme un remède, alors on fera tout pour aller dans le sens de ce qui plaît à Allah et aller dans le sens de ce que le prophète nous a enseigné sallallahu alayhi wa sallam, jeûner totalement pour en avoir les bénéfices dans ce monde d'ici-bas et avoir le paradis comme dernière demeure dans l'au-delà. Qu'Allah nous guide dans le droit chemin, qu'il nous guide dans le chemin de ceux qui l'ont accompli de ses bienfaits.
الحمد لله رب العالمين.